Et bonjour, bienvenue sur RC Atomique FR. Sur le montage de l'FFZDV2, nous allons attaquer la partie 10, les triangles supérieurs arrière. C'est parti. Donc nous avons besoin des fameux T-armes, cette pièce-là, avec les vis sans tête, comme celle-ci, qu'on va visser dans le bras arrière. Voilà, et une chape de 3 mm, donc c'est celle-ci, l'échappe de 3 mm. Il faut visser jusqu'à fond, d'après la notice, sans les recouper. On verra plus tard si on a besoin de les recouper ou pas. On va faire ce qu'ils nous demandent. Petite bavure. En voilà pour un. Le deuxième. Donc ensuite, il nous faudra donc ces fameuses vis qu'il y a sur la notice. Ces deux-là. Et il nous faut la pièce carbone. Il nous faut cette pièce en carbone. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ils ont quand même taraudé ici, comme si on voulait mettre aussi un triangle à l'ancienne, c'est-à-dire sans le T-arme, avec une rotule de chaque côté. Donc alors, je présente mon bras arrière, comme ceci, et je viens mettre la vis, voir ce que ça donne. Donc il faut venir monter, voilà, nos deux vis et vérifier si nos bras fonctionnent. Donc il force un peu, on voit qu'il retombe pas ni l'un ni l'autre. Donc il faut gratter les boules aux extrémités. Vous prenez le petit papier de verre et vous venez juste la boule, lui faire un petit plat au bout, tout petit, ça va très vite, hop, voilà, pas plus, et on recommence. Là c'est mieux, là c'est mieux. Je vais laisser comme ça parce qu'en roulant, je sais que ça va prendre un petit peu de jeu. C'est souple, ça va pas forcer très longtemps. Donc voilà pour les triangles supérieurs arrière et la partie 10, pas la partie la plus simple, mais il faut y passer. Il faut que ce soit libre et que ce soit impeccable. Allez, à de suite pour la partie. Pour la partie 11, les triangles inférieurs arrière. Allez, à de suite.